nothing would stand in our way. Hey yo tout le monde, Sarsenix, Scriptoa, Xtaz, salut les gars. Salut. On se retrouve juste pour une vidéo un peu détente. On va parler parce qu'on était pas trop actif, on essaie de relancer tout ça. Et ouais, du coup on va simplement chill, comme ça, et discuter, etc. Donc Scriptoa voulait nous poser des questions je crois, donc on t'écoute. Accessoirement, on voulait encore gagner la clan war aussi. Oui, aussi, bien sûr, mais... Ça, première c'est... question, vous voulez aller où? 1, let's go. Go 1. Ouais. Ça, Rush très original. Genre en mode retard. Allez, on pose une petite clé mort histoire d'avoir un free kill. Bon. Xtaz et Arsenix. Je le sens trop pas, mais... On m'appelle aussi le bâtard. Ah ouais, mais... Dark bâtard. Non, bon. Dark bâtard, mec. Je dois me mettre où? Je sais pas. Pas du côté obscur. Donc, en gros. Je viens de me faire clasher par ma soeur. Bref, donc, qu'est-ce qu'il y a? La dernière mise à jour. Vous l'avez trouvé comment? Je parle bien sûr de Earthshaker. Earthshaker, comme on dirait en France. Ouais. Perso, je trouve vraiment nice. J'ai pas encore. Quelqu'un peut leur expliquer dans le chat qu'il faut jouer. Et que... Ah, c'est vers Général Xtaz. Oh non. Oui. Vous êtes fait déchirer. Ils sont one shot, les deux. Les deux, va les challenge. Non. T'es trop nul. Oh, t'es trop nul. Mais non, mais. Je voulais cut les deux, mais. Bref. Franchement, t'as à peu près le même skill au couteau qu'R2D2 ou sabre laser. Oh mon dieu. Franchement, moi la mission je la trouve pas mal. Le système d'étage, on le connaît avec. Bah, en gros, c'est un peu une raid quoi. Et, voilà, c'est ça, ouais. Et mais est-ce que ce serait pas une raid en mieux? Bah, parce que moi je trouve que c'est carrément mieux. Parce que en fait, avec la raid, il y avait la mécanique du. Il y a différentes fond, classes fond, qui fond. Viennent. Et ce qui était chiant après, c'était tout le système avec le poison, par exemple, je trouve. Ouais. Et ouais, il y avait pareil, trop de boucliers aussi, je trouve. Ce système qui te forçait à aller à un endroit de la map, en fait. Ouais, voilà. Là, en fait, c'est un raid un peu plus futuriste, on va dire. Et ouais, amélioré simplement, c'est vrai. Il y a ce système de palier qui est plutôt. Et franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais niveau graphisme, la fin, surtout. Pas la fin, mais c'est le feu. Ouais, c'est clair. C'est le cas de le dire en plus, c'est le feu, tu vois. Ah, le volcan, ouais. Elle était même pas faite exprès. Putain. Ah, dans le bac. Mais c'était ma clé mort, espèce d'abruti. J'ai l'impression qu'avec la mise à jour, y a pas eu trop de nerfs en fait. Y a pas eu de gros changements d'armes. Non, c'est vrai. Et ici, dans son spawn. Ok, d'accord. Non, c'est vrai, y a pas eu beaucoup de changements. Après, j'ai pas encore vu beaucoup. J'ai vu qu'une arme. J'ai que vu la CCR CQB volcan. Enfin, je sais pas comment elle s'appelle, la Earthshaker simplement. Ouais. Ah ouais, on va plutôt parler de ça parce qu'il n'y a pas trop de nerfs en fait. J'en ai pas testé. Il y a mis à part la Curie 7 qui est un petit peu OP. Franchement. La Curie 7. La Curie 7. Accuracy. Belle Night Crypto. Grenade de qualité ça. Oh là. Elle est un petit peu pétée mais c'est normal, c'est l'arme en général qui est comme ça. Mais en fait j'ai pas eu trop l'occasion de regarder, est-ce que ce sont les mêmes stats que les normales en fait? Non, elles sont meilleures. La T27 pour la T27-8. Enfin, il me semble que c'est... Non mais c'est genre un peu à la gold quoi, c'est quelques stats pas très importantes boostées il me semble. Ok. J'ai pas trop regardé non plus. Mais c'est rien de game changing. Ah non. Non. Mais par contre leur design il pète le feu. Ouais, ouais j'avoue. Pareil pour les casques. Arrêtez tout genre de mots du champ lexical du feu. Parce que oh en non, fait, on va passer le tour. Ouais. Et la lave. Oh merci mec. De rien, je serai toujours là pour ça. Ah bah il est sniper dans son spawn, il vient vers Extase. Je me suis fait déchirer. Ce challenge. Donc moi je me suis pris un vilain noscope. Je me suis pris un vilain quick. Franchement le design de surtout du casque Earthshaker il est plutôt pas mal. Earthshaker c'est Earth pas Earth. Bah vous en fout. Non mais c'est vrai c'est vrai que les designs qu'ils ont ajoutés pour tout ce qui est autour de cette mission, les designs sont beaux, que ce soit la map ou les armes etc. Je suis d'accord. Juste une question. Allez,
quand est-ce que vous pensez qu'on aura Palas? Parce que l'insigne était déjà, sans faire exprès, dans nos insignes débloquables. Je sais plus si elle est toujours, c'est à vérifier. Au moins, en tout cas, ça m'étonnerait que ce soit à la prochaine mise à jour. Franchement, si. Si déjà, je m'en plutôt côté, sur deux. On l'attend. Je l'attends avec impatience. Hein. Merde. Oui, moi aussi, j'attends, mais... Je sais pas, je le sens pas pour la prochaine mise à jour, tu vois. Si. Attends. Il était derrière le truc du truck jaune. Je suis en mode assis au calme. Mais c'est un peu chaud. On s'est fait déchirer. Ouais, il est toujours là, il est vers le baril explosif. Il arrive sur mon corps, il va être devant toi. Merde. Petit ace. Elle nous déchire, lui. Ah, mec, il les carry de ouf. Bah, j'avoue. Oh, on fait une 2. Ouais. Non, bah ouais, après c'est vrai que Palas, ça fait tellement de temps qu'on la veut. Genre, ça fait 10 ans qu'elle est sortie sur la version russe. Ouais. Mais justement, en fait, le fait qu'on ait eu déjà l'insigne. Et ça indique qu'elle va venir, ça c'est sûr. Ça indique qu'elle va venir, et pour moi, ça indique qu'elle va venir bientôt. Oui, enfin, bientôt, mais tu vois, moi ça m'étonnerait. Je sais pas pourquoi je pense que je vais présenter. Déjà, honnêtement, moi je pensais qu'on allait la voir pour la mise à jour volcan, machin là. Ouais. Bah honnêtement j'y croyais parce que y avait pas de raison. Mais je pense qu'ils voulaient pas le faire parce que sinon ça allait trop trop de contenu d'un coup. Non, et entre guillemets distraire de leur ajout principal qui était quand même c'est cœur, ouais. Tout le bro Shaker. Ah, il y a un deuxième top. Encore c'est sniper qui est top. Non, c'est derrière, c'est notre air. Et je me fais déchirer dans ton bac à toi. Il a passé contour. Je sais pas pourquoi du coup, vu qu'on reparlait de Earthshaker, j'ai envie d'en reparler, mais le fait avec les tourelles, je trouve ça tellement stylé. Le fait que chaque tourelle a une classe spécifique, etc. Au final, je trouve ça vraiment classe. Franchement, moi aussi, le fait qu'elles aient aussi des faiblesses, parce qu'on connaissait le principe de la faiblesse de l'artilleur. La faiblesse de l'artilleur est dans son dos. La gueule. La phrase qui est trop chiante. Voilà, ça on connaissait, mais maintenant c'est plus varié en fait, surtout les espèces de... Le shotgun qui est toujours aussi cheaté, hein. Oh, le shotgun. Les espèces de petites couilles là, dans les... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non. Ah, les BB-8. Les BB-8, voilà, c'est du 2, oui, voilà. C'est du 2. Ouais, les petits... Ouais, j'ai vu un gars, y a un gars dans le mid. Ouais, ceux-là ils sont plutôt. Ils sont bien résistants, t'es obligé d'avoir des grenades alors que normalement maximum t'en as 5 et y'en a. C'est la seule tourelle que tu peux niquer par grenade. Donc y'en a 6 à 8 dans les derniers levels, t'es en mode j'ai pas assez de grenades. C'est ça. Hein. T'es obligé de. Ouais, franchement c'est intéressant. Et pareil, voilà. Ça. L'arme à plasma ou à laser, je sais pas trop quoi là. Ah, là où tu te transformes en gros Stormtrooper. Mais ça c'est le feu. Ah putain, faut qu'on arrête avec cette expression, c'est vrai. tu pourras peut-être au montage rajouter un compteur du mot. Ouais, je pense que il est top ça. Ou en bas Non, ils sont tous les deux en bas, mais je me fais déchirer. Il est blanc. Il est pas stop. Bah, c'est Escalator. Escalator. Je suis le seul à pas connaître ce call sur la map. Ascenseur. Il y a one shot derrière le blanc. Pas lui, l'autre. Ça va de l'autre côté du mur. Non, putain, j'ai failli le mettre une tête. Ah oui, yes. Ah, ils sont plus que deux, j'avais pas vu. Bon. Ah, c'est fini. Un petit 0-5, franchement. C'est... Ouais, Extase, t'es en forme. C'est le feu, hein. Ah. On va arrêter. Ouais, mais sinon en MM la map elle est relativement sympa. Que du bon, je trouve. C'est pas toi qui disais que t'aimais bien la musique dans l'ascenseur? Ah ouais, cette idée, mais l'innovation. La guerre partout, puis d'un coup tu rentres dans l'ascenseur, t'as la petite musique joyeuse. Mais tu sais, ça montre que Blackwood a enfin trouvé des moyens, parce qu'avant leur QG c'était quoi? C'est un espèce de gros suppositoire en verre. C'est ça, c'est un vieil. Avec un ascenseur au milieu, tu vois, pas de musique ni rien. Et le boss, c'est son bureau. Enfin d'ailleurs, il y a pas de bureau, wesh. Son bureau, c'est un héliport. Ouais. Genre le bâtard, il a dépensé tous les moyens de Blackwood pour avoir les 3 derniers étages en or. Tu sais. C'est clair, en fait. Par contre, il y a pas de toilette dans ce bidule. Est-ce que tu as déjà pensé, mec? Il n'y a pas de toilette dans ce bidule.
Et que c'est juste une forteresse, en fait, leur truc, ça sert à rien. Par contre, ce qu'il faut quand même dire, c'est pourquoi la meuf, tu sais, qui nous dit quoi faire, elle arrête pas de se répéter, elle est tellement chiante, mais c'est pas permis, quoi. Bah, elle est programmée comme ça. Elle est programmée comme ça, mec. Mec, mais chaque étage, elle te dit... Écoute, le jeu, il est fait pour que tu puisses y jouer même si t'as QI 80, ok? Donc... Franchement, donc ça répète, tu sais, c'est... Au cas où t'avais oublié, tuer les gens autour de vous. Ah, j'ai été kick. Oh, Arsenic, ça t'es kick. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue la vidéo, on cherche une autre game. Ça va? Ouais. On regarde... Attends, j'ai Morphoshka Clan, machin, là. On regarde juste peut-être les caisses mystères Arm Earth Shaker pour voir les différences entre les... Ah ouais, pour les stats. Les stats, ouais. C'est peut-être possible de les prendre en 3v4, mais je pense que ce sont des Russes. Ouais, j'ai l'impression que les stats sont à peu près comme les armes normales. Bah dis-moi, je cherche. Vas-y. Mm-hmm. Par exemple, la S18G, la vraie, non, Earth Shaker, elle fait 52 dégâts. Ouais, pareil. Une portée de 9. Pareil. 700. Pareil. 11. Pareil. 7 et 33. Ouais, pareil. Bon, après, en fait, c'est juste un skin, j'ai l'impression, les RCK. Me suis fait kick. Me suis fait aussi kick, ok. Ah, pareil. Nickel. Donc voilà, après, l'idée de. L'idée du casse, c'est un petit peu pareil que les casse seigneurs de guerre. En fait, c'est un peu. C'est mélangé avec seigneur de guerre et anti-flash. Voilà. Qui est relativement pratique parce que. Avec les seigneurs de guerre. Toujours en mode je vois plus rien, aidez-moi, et ouais, c'est ça. Là c'est relativement pratique, quoi. Ouais, donc en tout cas, pour répondre à la question de base, comment on trouve la mise à jour, en gros, bah rien à redire, je trouve ça nickel. Ouais, bénef, pareil. En plus, c'est bien qu'ils aient mis les caisses en cas, tu vois, comme ça, au moins, pas tout le monde ne les aura pas. Ouais, je trouve aussi, parce que enfin. Sinon ce serait juste un sujet de dispute, genre t'as un level 80, ça n'existe pas encore, je sais plus. Tu sais, qui a 3000 heures de jeu, voilà, qui a toujours pas, et t'as un mec random, le russe, qui vient sur le serveur, qui sort pas les couilles, qui l'a, voilà, qui l'a, c'est mieux comme ça. Genre pas comme moi. Mais tu sais, donc tu peux l'avoir comme ça, mais tu peux aussi l'avoir en jouant la mission. Et ça, franchement, je trouve ça... Je trouve que c'est intéressant, quoi. Ah, c'est que la version extrême, non? Bah, tu peux l'avoir sinon, en père, mais. Ouais. Ouais, je crois. Au pire, y a plus de clan noir vraiment intéressante, je crois. Bah, créer une game rapide en. Créer partie? Ou on fait une partie rapide? Non, je sais pas, j'ai pas trop envie de faire une partie rapide. Ok, créer partie. Créer une sinon, escarmouche, déto ou quoi? Comme tu veux. Vas-y, on va faire une escarmouche en garde 2.0. On va mettre en 55. Sinon, en parlant de détonation, pour tout ce qui est compétition, si vous suivez les forums, vous avez vu que ça a pas mal bougé. Donc, déjà, je pense que c'est le moment de faire l'annonce officielle pour l'IFC. Ouais. Qui veut s'en charger? Bah, je peux dire. Ok, bah. Donc, à partir du. Vous délègue cette tâche. Ça partir du 27 Je sais pas, on mettra le lien dans. Tiens, en gros, pop-up comme ça. Bon, on mettra le lien pour toutes les infos dans la description. Parce que je crois pas qu'on puisse le mettre en pop-up. En tout cas, dans la description, il y aura le lien. Bah, en fait, en gros, il y a. Je pense que vous avez vu quand même Inner's Fool qui a organisé l'IFC, l'Integrity Cup. Non, Integrity French Cup, voilà. Gros, donc, t'es con, tu dis IFC. Oui, non, mais c'est bon. Oh, on se calme, j'ai bugué. J'arrive, il demande pas une lettre là-dedans. En gros, c'est un tournoi français, enfin, que entre teams françaises. Donc, il y a plusieurs équipes d'inscrits, je sais plus exactement. Donc, à partir du 22 ou un truc du genre, il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises. Il y a les matchs qui commencent. La finale, la demi-finale. Enfin, la demi-finale aussi ou pas? Je sais plus. Ouais. En fait, le truc c'est qu'on va essayer de commenter toutes les games. Voilà. Mais on va stream en plus la demi, petite et grande finale. Je sais pas si on a une grande finale. Voilà. Celle-là on va les stream. Donc on sait pas encore si ce sera sur notre chaîne Twitch ou sur celle de Inner's Fool.
Enfin celle IFC. C'est la chaîne officielle de l'IFC. Voilà, enfin on en parle encore, mais voilà, donc à ce moment-là. Donc la finale ce sera le 5. Enfin la demi-finale petite et grande finale sera le 5, il me semble que les 3 sont le 5 mars. Ah non, il y en a le 27 février, donc à ce moment-là n'hésitez pas à venir. C'est super cool. Un petit moment pub, tu vois, en passant. Ouais, pour les meilleures équipes françaises. Ouais, les inscriptions sont fermées, je crois, par contre. Du coup, si vous... Les inscriptions sont fermées, d'ailleurs, les équipes ont... Ah, ils ont déjà leur bracket. Ont mis leur roster final. Donc, je rappelle vite fait, il y a Airborne Skills Blue avec Terrub, Matrice, Aspartam, oui. Sevens, Kurikara, Chris von 16 et Sensei. Airborne Skills Red, il y a Bizel, Spra, PY Laurent, Ineo, Falcon, Bioceral, Baguette Blue, il y a Wessi, Tragol, Carglass, Kill, Razer, E-Cube et Narco. Baguette Red, il y a... Ça fait trop bizarre de dire Baguette Red, Baguette Blue. Si j'avais été eux, j'aurais fait genre... ça fait comment la baguette que tu peux acheter à l'ancienne? Baguette à l'ancienne et baguette au pavot, c'est ça? Voilà, genre j'ai se rappelé comme ça. Baguette Red, attends. Il y a Dark, Ben, Edouard... vas-y Francky, c'est... Toi, bon. Faut que tu rendes l'autre. Patarul... non, pas ça. Hop. Patarul, Kristen et Prince. Au sombre, il y a l'Empereur. Bon, vous savez quoi pour le reste? Regardez tout ça. De toute façon, tout ça dans la description, ça. Voilà. Ouais. Et du coup, on va essayer et de tout caster. Pour vous, les favoris, c'est qui là-dedans? Je sais pas, pour moi, ça va jouer entre Baguette et Airborne Skills. Et Airborne Skills. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu les Airborne jouer. La première journée, on a The French Kill contre French Alliance, Time for Revenge contre Baguette Blue, Airborne Skills Red contre Baguette Red. Bon, on va faire match par match. Les French Kill contre French Alliance, vous voyez qui passait. French Kill, je dirais. French Alliance, je les connais pas trop, donc je peux pas trop dire non plus. Après, on aura sûrement des surprises parce qu'il y a de... Je pense que là, il y a moyen que ce soit les French Alliance qui passent. Moi, je crois en... Moi je dis les French Alliance. Moi je les connais pas assez, je peux pas te dire. Moi non plus je les connais pas, mais je crois. Après, il y a Time for Revenge contre Baguette Blue. Ouais, j'ai envie de te dire les baguettes. Hein. Mais on est pensé pour les. Par contre, là maintenant ça devient intéressant. Airborne Skills Red contre Baguette Red. Ah, faut quand même une équipe des Airborne. Ah, c'est chaud, hein. Ça je sais pas. Mais. Moi je vais dire Baguette Red parce qu'il y a mon ami Dark. Je peux pas, c'est lui qui passe. Ouais. Pour moi, c'est lui qui passe. Ouf, moi, je sais pas trop vraiment. Après, il y aura sûrement des surprises. Ouais. Dans les matchs, il y a beaucoup de clans français. Ok, il connaît la spot, cool. Déception. En gros, c'est. T'auras Bizel au snipe chez Airborne Skins Red. Je pense. Qui va jouer contre Edouard, là pour moi, ça se voit. Il n'aura pas de l'armure, laisse-moi faire. C'est pour le... PY Laurent, il va sûrement Medic. Quoique, ils ont Ineo aussi, il est fort au snipe. Ah, je sais pas. Compliqué. Ah, mais bon, non, à droite. Bon, et sinon, pour le nouveau format des clans Challenge Crytek, vous en dites quoi? C'est nickel. Attends juste du coup, pour Extase, vraiment avec TFC. Du coup, ouais, n'hésitez pas à venir... jour de finale, etc. On refera une vidéo annonce de toute façon, non? Oui, on refera une vidéo annonce, mais on le dit direct. N'hésitez pas à venir. Ça nous fait super plaisir à nous et surtout à Inert qui a fait un taf de fou pour organiser tout ça. Comment tu m'as lâché, bâtard? Je pensais qu'il m'attaquait, moi. Ouais, on remercie encore Inert d'avoir. Venez, on monte à gauche. Ouais, j'avais pas compris, désolé. On remercie encore Inert d'avoir pu organiser. Ouais. Okay. Organiser cette idée. Organiser tout ça, ok. Ouais, organiser tout ça, voilà. Voilà, ils vous rushent, les trois ils vous rushent. Pourquoi c'est moi qui me prends toute la merde là? Oh, Extase. Ah merde, ils sont 5. Ils sont 5. Ouais, ils sont sérieux.
Eh oui, mais ils ont. Ils en ont dessous. Il y en a un en dessous. Pardon. Nice. Ouais, là, c'était en dessous. Il est derrière, il nade. Il était sur le point, je crois, le dernier. Je suis pas prêt, attends. Et ils abusent avec leur nade là. Là, c'est limite relou là. King rouge, AR. Ouais, donc vas-y, du coup. Ah, il est en bas à droite, En bas à droite, il va vers, vers notre zone. Fais gaffe au clémore. Donc, ouais. Donc, ensuite, Crypto, du coup, tu voulais parler de quoi ensuite? Bah, pour. Il est sur les toits. Oh le jump shot. Ah, ça c'était violent par contre. Oh mon dieu, et c'est le ace. C'est le ace pour mettre Kélian. Non, j'en ai eu un moi. T'es un bâtard. Vas-y, on remonte. Putain, j'ai pas en fait regarder. Mais quoi, ça m'a aidé, on va pleurer. Ouais, mais sinon, moi je veux pas prendre de kill. Là, je pleure déjà. Moi. Moi, je vais attendre là dans le coin. Oh, ouais, j'en ai mis un one shot. Merci. Ah, bah, c'était celui-là. Merci. Mais celui-là, j'avais hit en plus. J'ai pas help. Oh, Kobe. Un mec là, le... Voilà. Là, tu vois, je me suis sacrifié pour toi. Merci, gros. J'ai bouffé la grenade, mais je suis passé devant, tu vois. Ça, c'est du sacrifice. Ouais, donc pour le nouveau format des Cup Crytek, c'est toi qui veux expliquer le principe? Oh, moi, je trouve ça vraiment énorme qu'ils aient. Attends, laisse d'abord Xtas expliquer le principe. Ouais, désolé. Fais gaffe, y'en a un derrière toi, Ouais, ouais, mais il a sauté. De côté. Ils ont sauté derrière Xtas. Y'en a un vers qui va vraiment. Maintenant, y'a plus de problème, les top clans. Enfin, problème entre parenthèses. Xtas, y'en a un en bas à gauche. Cette histoire rentre dans la baraque, il rentre dans la baraque, il va sûrement monter. Mais non, c'est qui. Il y en a un dans notre spawn. Ce qui est bien avec les Cup Warface, c'est que c'est plus les. Oh, normalement. Merci. Oh, la cover, merci gros. Oh, merci gros, tu m'as cover. De rien. Comme dit sur les Cup Warface, c'est plus les top clans. Donc, les 4 ou 6 premiers clans dans le. Ça a jamais été 4, ça a jamais été 6. Mais c'est pas grave, l'intention. Ouais, mais c'est. Voilà, on n'était jamais dedans, donc voilà. Ah, en bas à gauche, en bas à gauche. Non, mais donc, c'est pas les meilleurs clans qui farment le jeu en PvE. Bah, en gros, c'est plus basé sur les clan points, quoi. Chacun peut s'inscrire. C'est ça. Et c'est ça ce qui est cool. Ça change pour tout, quoi. C'est une vraie compétition, quoi, du coup, je trouve. Ouais, voilà. Il faut s'inscrire. Parce que ce que moi je critiquais beaucoup avant, c'était qu'en fait. C'était basé sur le farm. Dommage. C'était le clan qui farmait le plus de PvE. Lol, il dit bug. Pardon. Ouais, ok, il est chaud. On est en 3 et 5, okay. Bon, pas grave. Donc, comme on dit maintenant, il y a. Tout le monde peut s'inscrire, mais par contre. Enfin, par contre, c'est un petit peu normal. Il faut montrer un scan de sa pièce d'identité. Son passeport. Ah, en dessous. Mort. Pour participer, pour avoir quand même. En gros, faut que tous les joueurs de la team envoient. Les 6 joueurs, 5 joueurs principaux plus le remplaçant. Voilà, fais gaffe, j'ai entendu sniper. C'est sniper ou pas? Non, il reste un snipe. Ouais, et ce gars-là, chaque joueur doit envoyer un scan de leur. De leur passeport ou de leur carte d'identité. Enfin, une preuve valable. Pour dire qu'ils sont européens. Enfin, qu'ils habitent ouais, en Europe. Ouais, surtout pour que. Là, ça va commencer à jouer des vraies primes, à mon avis. Ouais. Ouais, là, il y a un casque qui a été mis en jeu. Bon, pour le moment, c'est clair. Et à ce moment-là. Voilà quoi, c'est. À ce moment-là, c'est vraiment contre la. C'est anticonstitutionnel. Et si voilà. Quelqu'un bah, utilise des cheats par exemple et qu'on a son identité, bah il peut perdre gros. Ouais, il peut se faire. C'est la loi allemande, mon pote. Il peut se faire poursuivre en justice. Poursuivre, pas. Oh, mais c'est quel bâtard qui joue au lance-pot? À la base, c'était toi, je crois. C'est pour ça que je dis. Y'en a un en bas. Il va peut-être se bouffer ma clé mort. Il va monter. Non, mais je l'ai peut-être. Là, j'ai pas hit. Y'en a un. Y'en a un qui va être devant toi. Pardon. What? Oh, il lag. Ouais, il lag. GG. Ah, ça c'est relou.
Et ouais, mais maintenant il y aura, enfin personnellement je crois qu'il y aura beaucoup plus de plaisir à jouer sur sur ces compètes qui sont organisées par Warface, ce qui sera un petit peu mieux. Donc, voilà. J'ai leur meilleur joueur, ils sont plus que 4. Nice. Ils m'ont aid. J'essaie de faire un back. Ils m'ont aid. Ouais, gros, ils veulent ma peau. Ouais, mais là, ils sont aussi en dessous. Désolé, j'ai. Merde. Ils ont pris le J. J'ai louché. Un sniper, une AR. T'es de m'occuper d'eux. Vas-y, prends chacun à côté. Et avec Totem qui a repris au-dessus de toi, Xaz. Le Dan, derrière toi, sur toi au milieu. J'ai vu. Bah, je l'ai. Ah, merde, c'est un snipe. Le pré-shoot. Ouh, le face pré-shoot. Oh, je me casse. Personnellement, il a le seigneur de guerre, Bah, non, il a pas le seigneur de guerre, il a. Si, il l'a. Il a couronne, non? Non, seigneur de guerre. Ouais, il y a le casque, seigneur de guerre. Et juste au-dessus, toi qui viens. Ouais, mais j'attends qu'il passe, j'ai oublié de prendre le jeu. Ouais, c'est trop long le temps en capture. Ouais, mais c'est pas grave. Et avec justement Totem et tout qui ont repris en main le SL, ouais. Je pense que le jeu il aura enfin la tournure compétitive qu'on attend depuis longtemps et qui fait qu'un jeu reste un plaisir, comment dirais-je, durable. C'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les seuls jeux qui ont réussi à s'imposer, c'est des jeux sur lesquels il y a du sport en fait. Exactement, CS, Battlefield, Code. Tous les autres, enfin. Ça va, mais ils durent pas éternellement. Et... Voilà. Moi je pense que. Franchement, c'est un bon truc parce que là, il y a encore une ESL qui se prépare avec un tout nouveau système. J'ai regardé, il y a deux ESL déjà d'organiser. Hein. Ouais, c'est t'as qui bien fait. Donc, avoir deux dans la liste, ça fait bizarre. Non, mais là, ça commence à. À bouger. À prendre en rigueur, ouais. C'est vraiment cool ça. Sinon, Extase, qui est le plus fou? Le fou ou celui qui le suit? Ah, je vous ai un petit peu carré. Celui qui le suit. Parce que celui qui est fou, il sait pas qu'il est fou. Mais celui qui suit le fou, il est fou aussi. Bah non, vu qu'il ne sait pas qu'il est fou. Ouais, en fait, c'est un putain de paradoxe. Mais c'est pas mal. Donc voilà, bon ben, petit clan noir gagné, ça fait un plaisir. Ouais, c'est cool. En plus, il y a un gars qui a même pas assumé chez eux. Là, on a eu deux grosses mises à jour sur des opérations spéciales. J'espère que la prochaine, ce sera sur une belle map en PvP, parce qu'il pourrait vraiment être sympa. Bah, je pense, ouais. J'ai demandé si je pouvais. Je me suis kick. Je sais pas ce que. Ouais. C'est pareil grave. Aussi, si jamais. Vous pouvez aussi dire d'ailleurs vos avis, etc. sur Earthshaker et tout ce qu'on disait dans les commentaires, ou nous dire des trucs qu'on sait pas sur tout ce qu'on a dit, et trucs qu'on a raté aussi, hein. Ça nous ferait plaisir simplement. Et ouais, voilà, pareil. Juste pour rappeler ça. Ouais. Voilà. Sinon, d'autres questions, Crypto? Y a une question qui retombe super souvent quand on joue à Warface, c'est pour ça que j'aimerais bien l'adresser une fois en vidéo et après plus jamais en parler. C'est la question des hackers. Donc en gros, chaque deuxième mot prononcé sur ce jeu est le mot hack. Et macro. Oui, on va compter macro, VPN. Je sais, c'est pas très professionnel, mais on va englober ça sous hack. Enfin, parce que j'ai pas envie de dire à chaque fois. Ouais, t'inquiète. En utilisant des logiciels tiers aidant à la visée, à la vision, oh mec. Procurant des avantages de connexion, on va dire hack. Donc, selon vous, messieurs, chers Jedi, on fait partie rapide en attendant du coup. Ouais, let's go. Est-ce que Warface a, oui ou non, à l'heure actuelle, un problème de hacker? Pas les deux en même temps. Vas-y, Xtase. Ben, franchement, personnellement, par rapport avant, un petit cheat, Fairfight,
Enfin, je pense que c'était le cancer sur le jeu. Maintenant, franchement, faut que tu sois bas level. Enfin, personnellement, les derniers cheaters que j'ai rencontrés, c'est vraiment des bas level, donc c'est des comptes recréés. Et après, que tu vois presque plus jamais. Donc pour moi, l'anti-cheat pour l'instant, il est peut-être pas complètement complètement finalisé. Et puis peut-être il y en a encore, je ne sais pas. Mais par contre, pour les bas level, franchement, c'est parfait. Il y a plus vraiment de gros problèmes à ce niveau-là. Par exemple, les gros magnètes instant dead directement, il y a plus ça. Travers les murs, il y en a plus. Enfin, du moins, ça fait vachement longtemps que j'en ai plus vu. Pour l'instant, il y en a plus du tout. Voilà, c'est ça. Enfin, plus du tout, ouais, merci. Il y en a. Maintenant, c'est juste des, des hacks. C'est des aimbots et des voilà. Voilà, c'est ça. T'es obligé de voir le joueur pour qu'il te tue, en fait. C'est ça. Il y a plus de à travers les murs, etc. Maintenant, pour moi, le principal problème, après, c'est les ping rouge. Mais bon, après, ça c'est. On va adresser ça plus tard. On va rester sur les hacks vraiment. Et toi, Arsenix? Moi, perso, je trouve que vraiment, ouais, depuis le Fair Fight, le jeu a été vraiment clean, je trouve. La semaine, ça je pense que vous vous en souvenez, la semaine où ils ont ajouté le Fair Fight, on voyait H24 un pseudo vert. Et ça, c'est un défilé de mode, ça. Hein. Le défilé, c'était impressionnant. Ouais, et donc, voilà, en fait, et une fois qu'il est passé, c'était un gros clean, tu vois. Et je trouve que maintenant, en fait, c'est. J'ai extase. Je trouve que maintenant c'est plus qu'il y a beaucoup de hackers, il y en a sans doute encore. Dans le channel débutant, on n'en sait rien, ça se trouve il y en a pas mal. Bon, on peut pas le dire. Ouais, mais du channel débutant, on va parler dans notre channel en fait. Oui, dans notre channel vraiment, enfin perso ça fait longtemps que je n'ai pas croisé. En tout cas des gros hackers, après des gars qui ont un petit voilà qui savent bien le cacher, j'en sais rien. Ça peut arriver, mais après par exemple, j'ai comparé à CS, bon après il y a aussi moins de joueurs. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de hackers, etc. Et pour moi, c'est juste les joueurs qui abusent, quoi. À un moment, il y avait beaucoup de cheaters, et du coup, depuis, dès que quelqu'un se prend deux têtes, enfin, dès que quelqu'un fait genre un trip chasseur de tête ou un truc du genre, bah, ça gueule au hack direct, quoi. Pour moi, c'est juste, ouais, pour moi, c'est les joueurs qui abusent maintenant, quoi. Bah honnêtement, je partage exactement le même point de vue. Dans un sens où. Si tu veux, Rhin, tu fais un sondage de tous les joueurs qui se sont déjà fait traiter de hacker. Ok, ça nous est déjà tous arrivé, tu fais deux têtes et c'est bon, t'es hacker. Bah, faut dire que ces mecs qui crient au hack à ce moment-là sont les mêmes qui après vont sur les forums et qui gueulent au hack là-bas, genre OMG, joueur. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais c'est le premier ouais, c'est les premières allées, quoi. Voilà, et je pense que justement le problème, c'est que du coup parce que faut pas se dire que les développeurs ils s'en battent les couilles, c'est à dire que quand toute la communauté crie aux hackers, bah ils commencent à se poser des questions et je me demande si en fait ils font pas une chasse aux hackers fantômes. Et ils tournent en boucle, en rond pardon. Ils arriveront tout simplement pas à trouver les hackers qui existent seulement dans la tête des gens, quoi. Enfin vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui. C'est clair. Mais... Et il y en a plein, ça, de vraiment de hackers qui vraiment, enfin là maintenant je sais pas, je fais un triple chasseur de tête, ça va gueuler au hack. Et après faut se dire que ces mecs là vont écrire ça sur le forum OMG plus ban machin hack, ouais, un hack, et après ben ça fait une réputation de parenthèse, quoi, parce que la plupart du temps on les voit. Mais pas ça, c'était sur je sais plus quel site qui référencie
c'était un classement des meilleurs jeux free to play FPS. Et dedans il y avait Warface, ouais. Et il y avait plein de commentaires de gars justement qui disaient n'allez pas sur ce jeu, il est bourré de hackers. Genre j'avais vu ça il y a un peu moins d'un an, tu vois, mais alors qu'au final, ouais, c'est pas vrai quoi. Certes il y a des hackers, mais ce qu'ils disent pas aussi c'est qu'il y a pas mal de hackers qui restent uniquement en PvE. Donc mine de rien c'est de la merde quand même. Ils font moins chier, je veux dire. Ça fait chier quand tu veux jouer. Mais je veux dire, là on parle vraiment, si on parle vraiment du PvP, il y en a apparemment pas tant que ça, tu vois, je trouve. Il y en a pas tant de... Franchement, tu vas sur CS, tu fais une matchmaking, t'as beaucoup plus de chances, limite, de tomber sur un hacker vraiment obvious, ouais, que là, quoi. Attention, parce que genre... je suis jamais tombé sur des hackers. Pour le moment, Extasiement, on est tombé sur un gars, il s'est fait vagban en plein milieu de la partie. Voilà, sur Warface, c'est un jeu comme les autres, il y a des hackers comme sur tous les jeux, mais je trouve que c'est largement raisonnable, quoi. Bah pour moi, en fait, le truc, c'est que il y a des hackers sur Warface, il y en a de partout. Je pense que si tu cherches assez bien, tu trouveras même des hackers sur Mario Kart. C'est clair. Parce qu'il est vraiment plus... Mais pour moi, à mon avis, il y a plus de mauvaise foi que de hackers sur ce jeu. Ouais. En fait, c'est plus... On peut quitter cette salle parce que Occupy, en fait, c'est le cancer. Maintenant, c'est... Non, viens, on est ensemble, on s'en bat les couilles, je... ouais. Maintenant, en fait, y a plus de paranoïa que de... Voilà, c'est ça, en fait. Que de problème, c'est ça. Ouais. Et en fait, ça fait que les gens, t'as l'impression qu'ils veulent voir des hackers. Genre, pour eux, tu mets deux têtes, ils veulent que tu sois un hacker. Genre, dans leur tête, ils veulent pas admettre ça de façon différente, quoi. Ouais, et même, tu vois, la dernière fois que j'ai dû croiser un hacker sur Warface, j'ai dû me marrer. Tu vois, je sais pas, par réflexe. Oh. Je sais pas, je vais me dire, oh tiens, un hacker. Tiens, Wessi. Wessi sauvage à part. Wessi. Il va regarder cette vidéo, il va rien comprendre. Il va se dire, what the fuck. Ouais. Ouais, donc c'est ça en fait. Hein. Parce qu'après, j'entends tout le temps, oui, mais l'anti-cheat a été détourné. Forcément. Mais pour moi, c'est forcément le cas parce que je veux dire qu'il n'y a aucun anti-cheat miracle. Ça fonctionne comme. C'est n'importe quel programme, tout peut être contourné quoi. C'est comme les mythes. Voilà, c'est cycle de la vie quoi. C'est pareil que les virus et les antivirus. Hein. Voilà, c'est ça en fait. C'est toujours, t'as un virus, t'as un antivirus. Le virus évolue de façon à ce qu'il puisse encore exister. Puis c'est l'antivirus qui évolue et ça se balance toujours comme ça, et toujours cet effet d'équilibre. Et c'est ce que les gens ils comprennent pas quoi, ils pensent que du jour au lendemain il y aura un truc miracle. Sauf que non, c'est pas comme ça. C'est ça en fait qui est désolant et ce qui me désole aussi c'est que quand tu lis les notes de mise à jour. Maintenant, voilà, ça a que partiellement à voir avec le thème du hack, là, maintenant. À chaque fois que tu lis les notes de mise à jour sur le site Warface, ouais. À chaque fois, ça se plaint. Oh, mec. Ouais. Y a personne qui est... Et sur n'importe quel poste, ça se plaint tout le temps. Sur n'importe quel poste, quoi. Genre, les mecs, ils pourraient mettre, genre... entrez ce code promotionnel et on vous donne 10 000 euros sur votre compte en banque, tu vois. Les gens seraient toujours en train hey, j'ai de merde, hier j'ai rencontré 3 hackers, Peut-être quelque chose. Vous voyez le principe quoi. Après, c'est comme ça, c'est pareil pour tous les jeux. Là, je prends l'exemple de LoL, c'est surtout comme ça sur LoL quand tu regardes. Tout est sur n'importe quel poste, ils disent oui, nerfé machin, nerfé truc. Et après au final c'est les plus de 12 ans qui ragent à mort, tu vois. Les développeurs ils essayent de faire un maximum pour que le jeu soit accessible à tous et soit apprécié de tout le monde et voilà quoi. Voilà, je sais pas. De toute façon il y aura tout le temps des gens mécontents. Toujours des gens mécontents. Je comprends pas, par exemple, si les développeurs font juste genre week-end double XP, ok, c'est même pas censé être une grosse mise à jour, c'est même pas censé être une grosse... Voilà quoi, c'est juste pour un peu faire plaisir aux joueurs quoi, enfin vous voyez le principe. Et après les gens qui trouvent encore moyen de râler dans cette situation,
Genre, ouais, mais c'est pas ça qu'on demande, nous on demande machin bidule. C'est... Les gars. C'est un petit peu. Après, je vous donne ça comme exemple. Par exemple, là, il y a deux fois des opérations spéciales qui sont tombées. Il y en a qui râlent parce qu'il n'y a pas assez de PVP. Enfin, parce qu'il n'y a plus de map en PVP. Mais c'est ça, il y a eu plusieurs, mises à jour d'affilée pour le PVP. Maintenant, c'est PVE, puis ça va être à nouveau PVP. C'est voilà. Comme ça. C'est comme ça sur tous les jeux tout le temps. Hein. Bon, sauf ceux qui ont que du PVP, d'accord. Mais ça, on va dire que ça va. Tiens, en parlant de faire fight, au revoir. Salut leader Boletta. Ah là, c'est 7, je l'aime bien quand même. Arsenix, comment t'as volé? Oh, mais mec, mon gars, il a fait du breakdance d'un coup. Oui, s'il veut kick quelqu'un. J'ai même pas eu le temps de regarder. Accepté. J'ai vu qu'il s'appelle Warlord, le gars, c'est tout. Ah merde, tu sors d'où toi? Et Xtaz, je te défie. Au moins un boucher. Let's go. Ah bah regardez la preuve. Ok, ici another. Voilà, hacker room. Y'a aucun hacker dans cette game. Y'a aucun hacker. Vous nous connaissez Xtaz, Wessi, Crypto et moi. Voilà. Ça, mais c'est l'exemple parfait en fait. Mais... On joue pour s'amuser. Y'a pas de problème. Et... Après, peut-être que les gens aussi, tu vois, par exemple, là, vu que j'ai une AC7 de type cheaté, et pareil, par exemple, pour le Miller, quand on se fait tuer par ce genre d'armes qui sont quand même abusées. On a l'impression que le gars cheat, ça peut être vrai que ça peut porter à confusion et les red ouais, ping aussi. Au bout de la 50ème fois que tu te le prends quoi, t'as compris et Mais oui justement donc. Les gens ils doivent s'adapter aussi tu vois mais ils le comprennent pas. Après il y a aussi l'expérience, je sais pas, on regarde nos levels et les levels des autres. Enfin, ça c'est une différence. C'est toujours marrant quand un gars qui a 30 heures de jeu me dit hacker alors que moi j'en ai 630. Même plus, c'est ça. Bon voilà. Après c'est sûr, il y a des gens. Après tu vois, il y en a, je vais bien croire qu'il y en a, ils gueulent parfois à cœur parce qu'ils ont eu une journée de merde, ils sont frustrés, ils ragent à mort, etc. Tu vois. Pour moi ça peut arriver. Mais après c'est vrai que c'est un peu trop obvious, genre quand t'as 12 000 gosses qui d'un seul coup te gueulent hacker noob, go fuck your mom. Cut. Tu vois, c'est un peu débile. Bref voilà, donc pareil n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous pensez qu'il y a trop de hackers sur le jeu ou si vous êtes du même avis que nous. Attention, on vous jugera là-dessus. Hein. Non bon quand même pas bien sûr. Sinon pour les Russes. C'est un gros problème. Ouais, non c'est ça. Pour moi c'est un beaucoup plus gros problème que les hacks. C'est ça justement, mais non, Fairfight, franchement il fait son job. Mais maintenant, après on va de nouveau sur l'histoire des joueurs jamais contents, mais franchement ça a été toujours un problème, il y en a qui sont déjà partis à cause de. Enfin non. Du jeu, à cause de des red ping, de tout ce qui est russe ou des personnes qui ont une mauvaise co et qui lag. Ça, on va dire que c'est un plus gros problème pour moi. Franchement, par exemple, celui-là qui a une. Personnellement, j'ai une bonne co, pas une extraordinaire, mais une bonne co. Face ouais, à. Un joueur... t'as quand même une co meilleure que 90% des joueurs sur ce jeu. Oui, mais bon, après, comme dit par exemple. Ouais, je sors de tête sur des AFK. Les. à chaque fois que je joue soit en partie rapide, soit qu'on des trucs. La plupart du temps, la première rafale ou balle ne touche pas. On dirait que tu touches un mur et finalement il te tue tellement facilement la personne qui est en rapping ou etc. Et à force de voir ça, il y en a qui crient hack, il y en a d'autres qui crient lagueur et qui en ont marre de jouer quoi. Enfin, la plupart du temps, c'est ça. Ouais. Et franchement, ouais, c'est vrai que les laggers c'est quand même plus avant. Enfin, c'est comme ça que je réponds moi au campeur, il commence à passer les couilles. Que quelqu'un rage pour un lagger, tu vois, je trouve ça plus compréhensible que pour un hacker. Parce que hacker, tu gueules ça n'importe comment et ça passe, tu vois. Enfin, les gens ils pensent que ça. Alors que lagger, si tu vois le gars qui est en 5 barres, bon d'accord, arrête de dire n'importe quoi. Ouais. Mais par exemple, le cas typique, ok, j'étais en partie rapide, je l'avoue, je suis un noob. Mais bah, on fait quoi là? J'étais en partie rapide
Et puis d'un coup, je vois en face les trois premiers. C'est soit des pings rouges, soit des pings jaunes. Et franchement, les plus nuls, c'est ceux qui ont les enfin, la connexion, quoi. Enfin, après, ça peut varier, mais par exemple, sur une game comme ça, random, c'est ceux qui laguent le plus qui se retrouvent en pole position. Ouais. C'est après, bien sûr, faut différencier parce qu'il y en a, ils sont en ping rouge parce que VPN, russe, etc. Mais faut aussi différencier avec ceux qui, malheureusement, ont une connexion de merde et ils y peuvent rien. Après, c'est sûr, ça leur donne un avantage, mais pendant, je me souviens, un moment où ici, je sais pas si ça arrive encore, bah, il avait démonté de ping, il était en ping jaune. Et il pouvait absolument rien. Donc aussi, il y a aussi ces problèmes-là, et ça, malheureusement, on peut rien y faire. Après, c'est sûr, bloquer des VPN et tout, c'est faisable, je crois que c'est très difficile, mais tu vois, à la rigueur, ça peut être fait. Mais alors... Surtout difficile d'un point de vue légal aussi. Peut-être, j'en sais rien. Si tu sérieusement veux. Enfin voilà quoi, mais après c'est sûr il y a aussi ceux qui lag parce que bah ils ont pas très bonne connexion ou ils ont pas les moyens ou etc quoi. Enfin bref, c'est comme sur tous les jeux quoi, il y aura tout le temps sur tous les jeux et des lagueurs et des hackers quoi, c'est toujours comme ça. Est-ce qu'on parle des campeurs? Est-ce qu'on parle aussi de cette map qui pue la mort? Wow. Ah là là. Et on parle non mais ça les campeurs les campeurs c'est dans la méta du jeu quoi, tu peux rien. Ouais. Enfin dans les méta des jeux en général. De toute façon tu peux pas reprocher à un jeu d'avoir trop de campeurs. C'est clair. Une fois ça m'a fait marrer un gars qui critiquait enfin qui gueulait que Arma 3 et c'était un jeu de campeurs. Bah oui. Ouais. C'est une simulation de guerre espèce de con. Enfin bref. Ça c'est chaud quand même. Bon du coup vous vous amusez bien sur cette game vous? Non pas du tout. Bon c'est plate. Wesh putain le dipote est trop cancer. Elle est trop chiante cette map. C'est genre de moment où je me dis pourquoi cette map existe. C'est le dipote. Genre cette map je la comprends pas quoi. Je la trouve trop chiante. J'adore la jouer mais seulement en only pistol. Ouais, only pistol et only snipe, enfin genre only cut, etc. Snipe, tu vois, des trucs. Des trucs plus casual quoi, ouais. Mais dès qu'il y a des grenades et tout, moi mon dieu. Hi-ha. Bon bah. Je crois qu'on a fait un peu le tour des questions, Crypto, non? Je pense, ouais. Alors. Après, si vous en avez encore. Non, moi j'en ai absolument pas. Tes questions étaient nickel, je crois. Donc voilà, en gros, je vais commencer maintenant pour résumer ce qu'on disait. Mise à jour, nickel, rien à redire. On attend fortement Palace. Ensuite, niveau hacker, ce sont essentiellement des illusions, faut se le dire. Non mais vraiment. Il y en a, c'est des clair. Illusions. Ce ne sont pas les hackers que vous recherchez. Ah non mais c'est ça, hein. En gros, il y a des hackers, certes, mais... Y'a beaucoup, c'est du blabla inutile. J'ai tout parlé de quoi d'autre déjà? On a parlé de quoi d'autre? J'ai déjà oublié. On a parlé des tournois. Ah ouais, ah oui, les nouveaux systèmes ESL et comment ça s'appelle? Des tournois de clan de Warface. Rien à redire, c'est super bien ce qu'ils ont fait. Et un petit moment de pub à nouveau, l'IFC, n'hésitez pas à venir. On va en reparler dans une prochaine vidéo annonce. Ouais juste avant on va annoncer le live. Ouais quoi. On va annoncer avant quoi. Mais voilà n'hésitez pas à réserver votre soirée pour nous regarder. Non quand même pas. Ah si carrément ouais. Donc ouais voilà c'est ça. C'est ça bon bah. Voilà en espérant que cette vidéo détente où on a parlé vous aura plu. On espère que justement ça vous a plu. Ouais. On va en faire je pense plusieurs dans ce genre là. Ouais. Mettez un max de retour etc dans les commentaires pour nous dire comment c'est. Mais si vous avez d'autres. Pareil des ouais, questions voilà, si vous en avez. Aborder, ouais des sujets. Si vous avez des sujets, vous les proposez. Oui, FAQ peut-être pas tout de suite. Et voilà, enfin. Et vu qu'on en a posé pas mal des questions là, si vous avez vos avis, vos ressentis, bah ce sera intéressant comme ça on pourrait en discuter dans les commentaires. Bon bah je pense que c'est le moment de se dire au revoir.
de se dire ciao. Ouais, donc en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un like, commenter, à vous abonner, les réseaux sociaux, voilà, comme d'habitude. Et bah, et on vous dit à bientôt dans la prochaine vidéo, hein. Et que la force soit avec vous. Allez, ouais. Ciao tout le monde. Bonne journée.